Ce phénomène global, c'est le la fin du modèle mécaniciste, taylorien, fordiste du travail. Et ce modèle-là, de bureaucratisation extrême du travail, avait pour, au fond, conséquence le fait que la pensée était concentrée dans un tout petit nombre et puis la masse était exclue. Alors, ce modèle, il est né, comme vous le savez, au début du XXe siècle et il s'est particulièrement développé au cours des Trente Glorieuses. Alors, les conditions de la concurrence ont fait que ce modèle-là n'est plus en phase avec ce que l'on attend. Pourquoi? Parce que longtemps, on a eu des productions en très grande série qui étaient de type des productions de type répétitive. Aujourd'hui, les choses changent. Nous avons des commandes beaucoup plus personnalisées. Des marchés divers, des petites séries, et qui doivent s'adapter également à des consommateurs qui exigent plus de personnalisation, plus de diversification. Alors, dans ce contexte-là, d'un marché qui change, le modèle mécaniciste, taylorien, technocratique, ne convient plus parce qu'il faut mobiliser les hommes. Il faut que les hommes eux-mêmes apportent cette part de créativité que le taylorisme, en fait, éliminait. Je crois donc que c'est sur ce fond-là que le modèle collaboratif se développe. Il vient en réponse à des exigences plus grandes d'innovation, de productivité, de performance, et on a compris que pour cela, l'entreprise avait besoin des talents de tous, et pas seulement des plus armés conceptuellement, des ingénieurs, des managers, etc. Il y a une sorte de décentralisation, de décentrement nécessaire pour que l'ensemble des acteurs de l'entreprise puissent apporter au fond, leurs idées, etc. Je crois donc que c'est sur ce fond-là que le modèle collaboratif s'inscrit et reste à savoir après comment concrètement ça se réalise. Et là, je pense que c'est très différent selon les entreprises. Peut-être certaines, ça reste qu'une sorte de gadget. Pour d'autres, c'est un véritable engagement et qui modifie réellement les pratiques.